J'ai un an, ouais. C'est ce que je lui ai expliqué. Voilà. Dans quelques semaines, Nathalie se fera retirer Essure, son implant contraceptif. La fin de 4 années de douleur, mais aussi de doute. On nous dit que c'est complètement normal, ça vient de nous, il faut le temps que notre corps s'habitue. Et après, c'est l'angoisse, puis essayer de trouver une solution. Quoi. Et même en faisant les radios, on ne trouve rien. J'ai tout fait, scanner, tout. Au bout d'un moment, je me suis dit, je dois être folle, quoi. Nathalie a fini par trouver ou poser ses questions. Pour son premier colloque, l'association Alerte Contraception rassemblait médecins, personnels soignants et patients pour une journée d'échange ouverte au public, avec un objectif, renouer le dialogue. Pour nous, c'était attention, manque d'informations, renseignez-vous. Le truc, c'est qu'il n'y a pas assez d'échanges avec les médecins qui prennent le temps, parce que c'est difficile déjà d'avoir un rendez-vous chez un gynécologue rapidement, c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste aussi. La femme et l'homme, on est dans l'action, on a notre travail, on a notre vie, on a notre vie de parents. Il y a un problème peut-être de connaissance insuffisante, c'est-à-dire que peut-être que les généralistes qui ont une énorme masse de connaissances à avoir, eh bien, ont appris la contraception à un moment donné et l'ont peut-être un peu oubliée. L'association compte à présent intervenir dans les établissements scolaires pour diffuser auprès des jeunes ce message. Mieux connaître sa contraception, c'est aussi mieux la vivre.